que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique, qu'il est prévu jusqu'en 2050 que nous risquons d'avoir une canicule un été sur quatre en France. Quand cette année 2014, il a été observé que les mois d'avril, mai, juin, août et septembre ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète, non seulement sur Terre, mais aussi à l'échelle des océans et des mers. D'ailleurs, souvenez-vous, fin septembre, la température de la Méditerranée était de 24 degrés, 2 degrés au-dessus des normales de saison. De ce fait, beaucoup d'évaporation avec de l'air chaud en provenance d'Afrique, formation d'orages extrêmement violents qui, en arrivant sur Terre, ont provoqué des orages. Et sachez que les membres du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que ces phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans les prochaines années, et ceci à l'échelle du globe. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014.